Je m'appelle Maëlle, j'ai 12 ans et je suis en classe relais du collège Gide Rodainville. On fait de l'imprimante 3D, on va visiter des entreprises, des écoles. C'est un camion imprimé par l'imprimante 3D qui s'est écrit classe relais collège Gide Rodainville. Au début, je venais 4 jours au collège Gide Rodainville et un jour à mon collège d'origine. Et maintenant, je viens 3 jours au collège Hydro et 2 jours au collège d'origine. Alors la classe relais, c'est un dispositif de l'éducation nationale qui est porté par le groupement d'intérêt public, le GIP Forinval, et qui est cofinancé par le Fonds social européen Plus dans le cadre du projet Persévérance. C'est un projet qui est à destination des élèves qui ont une scolarité un peu chaotique. Donc ça peut être de l'absentéisme, ça peut être un comportement opposant, ou à l'inverse, une attitude totalement passive en classe, bref, des élèves qui passent un peu à côté de leur scolarité. Il y a 8 classes relais dans le département. On organise des sessions de 9 semaines pour des groupes très réduits. L'objectif principal, c'est de redonner confiance à ces élèves. Alors, leur redonner confiance en l'école, mais aussi en eux-mêmes. On mène des projets qui leur permettent de travailler sur l'estime de soi et qui leur prouvent que malgré leurs difficultés, ils sont capables de faire de très bonnes choses et qu'ils peuvent apporter quelque chose à la société. On travaille aussi sur leur projet d'orientation, parce qu'un élève qui réussit à se fixer un objectif comprendra d'autant mieux l'importance d'être assidu en classe. J'ai visité la carrière Wellington à Arras, interviewé des ingénieurs de l'entreprise Agroma à Roubaix. J'ai visité la fondation qui s'occupe des tombes du Commonwealth. Donc en fait, ma place, c'est de mettre des ateliers en place sur tout ce qui est citoyenneté, laïcité, la loi, les droits et devoirs des jeunes. J'aime bien venir en classe relais parce qu'on est peu nombreux et on travaille différemment.